Pierre Lévesque, vous allez présenter Grand Villez Bleu dimanche dans le Quintet, le prix de Cornulier. Est-ce que vous avez été satisfait de son meeting d'hiver jusque-là? Oui. Elle était deuxième. Elle vient de gagner le prix Jules Lemonnier dans de bonne façon, disons. Donc c'est encourageant. Elle paraît arriver en forme au bon moment. Elle est aussi bien que l'an dernier à Paris-Époque? Oui, certainement. Oui. Oui. En plus, elle a pris un peu de maturité, je pense. Elle est peut-être même un peu meilleure que l'an dernier. En tous les cas, il faut le souhaiter. Donc tout s'annonce bien pour sa préparation pour dimanche. Alors. Ça s'est bien passé, oui. À part qu'on a eu beaucoup d'intempéries, mais on est passé un peu à travers. Et voilà, on a essayé de travailler au mieux et de la préparer, de maintenir la forme qu'elle a montrée récemment. L'an dernier, on se souvient qu'elle avait eu un moins bon parcours que Flamme du Goutier. Est-ce qu'une revanche est possible? On l'espère, en tous les cas. On l'espère. Flamme du Goutier vient d'être très plaisante dans le Prix de Bourgogne. La classe d'attelage, on la connaît. Elle court très peu autres montées, toujours à bon escient. Donc voilà, on la redoute en priorité, ça c'est sûr. Mais en même temps, bon, forcément, c'est une Grand Villez Bleu, c'est aussi une priorité dimanche. Oui, normalement. Oui. J'espère que la course sera limpide et que tout va bien se passer. Et si c'est le cas, elle devrait défendre chèrement ses chances.